Hello tout le monde, c'est Info70, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Flappy Bird, donc le jeu le plus chiant, le tout premier nouveau jeu. Donc ce mini-jeu il va être en online si j'ai bien compris. Donc on va dire que je vais rager un peu. Donc le but du jeu c'est d'aller le plus loin possible pour ceux qui connaissent pas. Mais par contre, dans cette version, on peut jouer en online, comme je vous avais dit. C'est très dur, on va dire. C'est un peu répétitif, mais bon. Oula, ça commence à laguer. Ça doit être le problème d'FPS. Donc, ce jeu, il est disponible sur Android ou tablette. Vous pouvez le télécharger directement sur le Play Store. Donc je vais juste vous faire une partie pour vous montrer en gros ce que c'est le jeu. Je vous mettrai le nom du jeu complet dans la description. On peut débloquer plusieurs personnages au cours du temps, on peut aussi monter de niveau. Ah, ce passage est chiant. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a qui font de gros scores comme 68. Donc je ne la frame pas un peu, mais mon gros maximum on va dire que c'est à peu près 50, 93 sur notre version. Donc on peut prendre des œufs pour débloquer des personnages comme celui que j'ai qui sortent des œufs. Bon, celui-là est un peu dégueulasse, mais j'aime bien le faire chez les gens. C'est aussi les meilleurs, puisqu'ils sont assez maigres, donc ils passent mieux dans les trous. Je ferai sans doute des vidéos sur Clash of Clans, Bombix, les mini-jeux de Garry's Mod, des trucs comme ça, en gros sur téléphone. Donc il y a aussi vous pouvez avoir des Français, il y a un chat assez lisible. Je montrerai tout à l'heure le chat. Donc je ferai sans doute un live un coup sur ça. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. Ah, ça y est, je commence déjà. Ça pouvait pas durer. Il y a juste un truc question, c'est les pubs, comme vous l'avez vu. C'est vraiment très très chiant. Donc vous pouvez aussi ramasser des pièces pour obtenir des personnages, comme je vous l'avais dit. Il y a des trucs qui bougent. Je sais plus comment ça s'appelle, l'espèce de pyramide. Oh. Ah si. Je crois peut-être que je vais être dans le top. Bon. Je suis pas sûr. Oui, ça c'est vraiment chiant. Ça rame. Ouais, donc on dirait que celui-là il a l'air fort. Ouais, il est au niveau ancien. Donc le chat. Donc vous pouvez avoir le chat mondial et le chat français. Voilà. Bon, là ça doit être des espèces de kikou. Bref. Donc on va se quitter sur ce fond d'écran. Donc ciao tout le monde et n'oubliez pas de vous abonner.